C'était vraiment plate, puis c'était interminable. Interminable, non. Oui, en plus, t'arrêtais pas de poser des questions, oui, là. C'est comme ça qu'on comprend bien la matière. Non, non, c'est comme ça que les cours finissent pas. Ouais. C'est vraiment interminable pour nous autres. C'est là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais vous le dire, mais promettez-moi de pas crier. OK, OK, jurez cracher. T'étais pas obligé de cracher, là. Fais juste pas crier, OK? OK. J'ai 1000$! 1000$! Chut! Je veux pas crier! Mais t'as volé ça où? Je l'ai pas volé! J'ai travaillé tout l'été comme un fou pour ramasser ça pour m'acheter un char! Parce que mon meilleur ami me l'a lâché pour s'en aller en France! Hein? On s'achète un char! Non, 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 non! Je m'achète un char. Mais vous pouvez venir avec moi choisir si vous voulez. Ouais. Mais soyez discret, je veux pas me faire voler mon argent! Ouais, on comprend ça! Okay. Pourquoi vous nous regardez? On n'a pas 1000$ comptant, OK, là? Non, ça va pas t'acheter un char avec 1000$ en argent, tu sais, voyons! Tu parles du vite! Attendez, attendez, attendez. Je pense qu'on s'est emballé un peu trop vite. Je suis pas sûre que de t'acheter une auto, ça soit une si bonne idée que ça. Hey, c'est vrai, 1000$, c'est beaucoup d'argent. Ouais, mais j'ai travaillé super fort tout l'été, moi. Il a même fallu que je vende ma collection de Q-tips usagés. Ah, qui c'est qui a acheté ça? C'est une super belle collection. Ça va valoir une fortune plus tard. Moi, je suis content, je vais en prendre, tu vois. Oui, mais c'est pas juste une question d'argent. Pour s'acheter une voiture, il faut être responsable et avoir du jugement. Pardon? Je suis très responsable, madame. Hey, j'ai travaillé toute l'été pour ramasser ce 1000$-là, OK? Regarde, tiens-moi ça! Puis je vais te dire que du jugement, j'en ai beaucoup aussi, OK? Phil! Quoi, tu veux t'excuser parce que tu regrettes? Non, mon argent! Fais l'argent! Mon argent! Fais mon argent, viens! J'ai demandé de tenir mon argent! Oui, j'ai pas vu! Ramasse mon argent, viens! Charles! Je suis déjà en train de tomber en amour! Quelqu'un qui est beau! Bienvenue chez GAG, le garage à Gustave. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est Gustave, notre course de conduite. Oui. Vous rappelez-vous de nous? Comment oublier les 4 élèves les plus dangereux à qui j'ai enseigné? À cause de vous, je me suis fait mettre dehors de l'école de conduite. Mais je me suis trouvé une nouvelle passion, la vente de char. Oh. Bon, qui est-ce qui veut une voiture? Toi? Ah non, c'est pas pour moi! C'est pour Phil. En fait, on veut une voiture. Je veux rien savoir de toi, c'est lui qui a l'argent. Phil est mentalement inapte à choisir une voiture seule, c'est pour ça qu'on est là. Je m'en fous, c'est une belle! Ils ont toutes quelque chose que j'aime! Je veux tout! Il est très sain d'esprit. C'est normal de vouloir que les voitures, parce qu'il est les plus belles en ville. Hé, hey, Renom! Hein? Laquelle tu veux? Je veux la couleur de lui avec. Avec la valise, puis les pneus, celui-là! Puis, je veux aussi, je veux les essuie-glaces de la grosse lamour! Je veux aussi, je veux aussi un air climatisé! J'ai trop chaud, là! T'as raison, ton ami, là. Il est pas tout là, hein. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on est. Bon! Phil, mon Phil, je t'écoute. Ce qu'on veut, là. C'est un char. Elle n'est pas de char. Ben là, il y en a partout autour du sol. Non, ce que je veux ici, c'est pas des chars. C'est des rêves. C'est des morceaux de paradis. Des petits bouts d'éternité. Ah. Bon. Quel genre de bazou tu recherches? Ce qu'on veut, c'est une voiture. Mais pas n'importe quelle. On avait une neuve. Usagée. Oh! Wow. Hey, t'es pas vite, toi. Mm-hmm. On va te compenser ça en trouvant une voiture qui roule en tabarnouche. Mm. Bon, combien t'es prêt à mettre? 1000$. Cash! Fiche, fiche!
Ah, hein? J'ai ce qu'il vous faut. OK, le magasinage est fini! Je vous présente la première pile mobile. Wow! Ma première auto! Tu l'as acheté? Pas encore, mais je vais le faire. Là. C'est l'auto parfaite. Ouais, mais là, elle est chère. Non, c'est la moins chère de toute la gang. Elle est pas maganée un peu? Elle flambe en neuf, quasiment. Elle doit être super polluante. Non, Mag! Elle consomme zéro essence! Ça pollue pas! Ah, mais comment ça? C'est comme trop beau pour être vrai! Il n'y a pas de moteur! Je comprends pas comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant. Pas de moteur égale à pas de bruit mécanique, égale à pas de pollution, pas de bruit! Ça va être parfait! Ouais, mais elle avancera jamais non plus. Ouais, mais ça, c'est le seul point négatif qu'elle a, hein, par exemple. Okay. Hey, on voit que tu connais bien plus ça que tes amis. Ouais. Non, Phil, on va aller voir d'autres chars, hein? C'est pas... Non, je l'apprends. Il avance pas! Non, je l'apprends! Il avance pas! C'est mon auto! Roche, papier, ciseaux! Roche, papier, ciseaux! Oh, on va voir d'autres chars! Ah ouais, ça! Oui. Oh. Émile! Phil! Voici la voiture parfaite pour toi. Elle appartenait à ma grand-mère qui a gagné plusieurs courses de démolition avec. Cette voiture-là, on y a des courses, je la prends! Non, attends un petit peu, là. Laisse-nous la négocier pour toi. Hein? Combien elle coûte? Ouf! 198 315$. Oh, ben là... Ben, vu que vous êtes des chums, je vous la laisse à... 100 000! 100 000? Quoi, elle vous fout? On payera jamais 100 000 pour ça! Hey! Je te laisse avec les vitres teintées. Oh, wow, Phil, des vitres teintées, t'auras jamais un dé de même! Dis oui! Oui, je la prends! Nous, on cherche une voiture munie d'une technologie de pointe. Moi, je vous offre une voiture avec une technologie de pointe. C'est quoi une technologie de pointe? Check ça, tu frappes juste là. La valise à ouvre. Oh. Très pratique quand t'as oublié tes clés. Ça vient même avec le démarreur à distance. Regarde ça, tu frappes juste là. Le char part du sol. Wow! On va y aller avec une voiture moins technologique d'abord. Ouais. Comment tu fais pour l'arrêter? Oh! C'est elle que je veux! Phil, calmos, Pépitos, là, t'es trop énervé, là. On va la négocier pour toi. Bien, fais ce que vous voulez, mais moi, je veux celle-là. OK. Gustave, viens ici. C'est celle-là qu'on veut. Excellent choix. Très bon véhicule, mécanique A1. Seulement 5 000$. On a juste 1 000$. Je comprends, mais à 1 000$, là, je peux pas vous la laisser. C'est... Le véhicule est en très bon état. Pas tant que ça. En plus, c'est bossé. Où ça? Là. Ah, puis j'ai trouvé ça aussi, là. Ça m'est tombé dans les mains. Il faudrait le remplacer. Je sais pas c'est quoi. Ça me paraît pas très neuf. OK. Mais 1 000$. OK, 1 000$. Mais vous approchez plus d'aucun de mes véhicules. Wow, merci! Ça, c'est gentil! Yes! C'est ma voiture! Hey! Ouais, non! Non? Je suis plus sûr de la couleur. Hein? J'aime moins la couleur. J'avais mal vu tantôt. Moi non plus, j'aime pas. Oh, je suis celle-là! T'as mis là! Ah, celle-là, ben oui. C'est vraiment la plus meilleure voiture du monde! On veut l'essayer, les autres aussi! C'est carrément! Bonne idée de mélanger le disco et voiture dans le même contenant! Il y a juste un système de son qui marche sur la voiture. Quoi? La voiture, elle marche pas, elle capote, c'est fini. Il y a juste un système de son qui marche. Par la loi, je suis obligé de te le dire. Mais c'est toi le calme si tu l'entends pas à cause de la musique. Moi, au moins, je te l'ai dit. All right? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une bonne marque. Hey, c'est vrai que c'est une bonne voiture. Hey, j'ai le contrat. Vous pouvez venir le signer. Hein? Pas si fort. Il dit qu'il veut écouter du Beyoncé. Hey, oui, bon choix. On aime Beyoncé. Woo! En plus, j'ai du popcorn en dessous des mains! C'est le plus beau jour de toute ma vie!
Je suis pas sûre de cette auto-là. Là, c'est pour ça qu'on va l'essayer avant de l'acheter. Avant de l'acheter... Je l'ai déjà acheté! Je suis super excitée! Bon, ben, Phil, t'es officiellement notre chauffeur de taxi! C'est la première fois que je vais conduire ma voiture. C'est la première fois que je vais tourner la clé pour la déparer. Attention! C'est pas grave. C'est la première fois que tu vas retourner la clé, hein? Oui, exactement. Attention! Ah! Ah! C'est la première fois qu'il y a de la fumée dans ta voiture, Phil. Ouais. C'est la première fois que tu vas aller au garage. Mais là, comment vous voulez que j'aille au garage? Là, toi, avance même pas! Mais le point positif, c'est qu'on est déjà au garage. Oh! C'est beau, viens avec moi, on va t'en trouver un autre. Celle-là, elle était pas faite pour toi. Oh. Oh, oh, oh. Mais... Pour la première fois de ma vie, je suis incapable de convaincre les gens de m'acheter une voiture. Voyons, là! Monsieur Gustave, apprenez-vous, là! Hein? Moi, je pars pas d'ici sans une voiture! Cyril! Phil! Il me reste peut-être encore une voiture. Ah ouais, laquelle? Ouais, mais Cécile. Et quoi? Je veux juste te dire, le moteur part juste une fois sur deux. OK. Et l'eau rentre dedans quand il mouille. Il y a pas de chaufferette, pas de reculons. OK. Les cadrans marchent juste l'été. Puis si tu vas trop vite, le système de son grince. C'est beau, j'ai compris, là. Quand je recule, le système de son griche. Il pleut une fois sur deux l'été. Ça va être parfait! Il y a personne qui va avoir un auto comme la mienne! On la jette! Daryl? Phil! Maintenant que t'as choisi ton nouveau bébé, on va juste jaser de chef. Un peu comme deux amis qui prennent le thé puis qui jasent de chef. Oh! Fait que cette voiture-là, je te la vends à... Hein? Ouais. Je retiens deux. Je le multiplie par trois, quatre. Ça donne... Ouais... 17 000 $ C'est trop cher. Je te fais une contre-offre à 1 $ 16 999. Ça sera pas possible. 2 $ 16 998. 3 $ C'est juste parce que t'es un ami, hein? 16 997. Non. Je peux pas. 4 $ Oh. 1 002. 998? Je suis en dessous du coste, là. Oh. Là, tu me fais mal, tu me fais mal à la compagnie au complet. 1001. 999. Ouais. 1000? 1000! Non, c'est les niaisages! Je te rends ça, mettons, t'as acheté un char! Je peux pas croire que je l'ai vendu. C'était de la négo, ça? Par le tour, par le tour! Tiens-moi ça. On n'a pas besoin de ça. Mais non, à quoi ça sert? On s'attache, tout le monde, on s'attache. Oui. OK. Je t'attachais, là. Là, on s'en va au dépanneur. Mais on n'y va pas en bicycle. On n'y va pas en autobus. On y va à... Oh, yeah! Yeah! Yeah!
Si tu aimes l'auto à fil, tape des mains. Si tu aimes l'auto à fil, tape des mains. Si tu aimes la file mobile pour te balader en ville, si tu aimes la file mobile, tape des mains. Tout le monde nous regarde, on dirait qu'on fait une parade. Ouais, mais c'est parce qu'on avance aussi vite qu'une parade. Coudon, Phil, pèses-tu sur le gaz? Ah oui, je suis dans le fond, mon gars, on va super vite! Et vu que c'est un bon char, on a l'impression que ça va pas vite, tu comprends? Je le sais, là, regarde, je l'ai lu dans le manuel d'instruction. Quoi faire si l'auto avance pas vite? Faire à croire qu'elle avance super vite. Quoi faire si l'auto fait que cling? Montez le son de la radio. Vous pouvez aussi les menacer en criant « Si tu dis encore que mon char fait que cling, c'est tes dents qui vont faire que cling! » Pis s'il y a de la fumée noire qui sort du capot, on fait quoi? Ah! Non! Utilisez le pare-brise de secours! Ah! Il y en a plus de fumée partie, la fumée! Hein? C'est la mer! Ça sent la mer, sentez-vous? Ça sent pas la mer, ça sent le feu, là! Tout le monde sort maintenant! Non, non! Oui! Viens t'en, Phil! Non! Je prends du soleil sur le bord de la mer! Oh! C'est beau! J'ai réglé le problème de la boucane. Comment t'as fait ça? Ah, il fallait juste enlever cette pièce-là. Hein? Puis cette pièce-là, je pense. Avouez que vous êtes jaloux de la file mobile. Non, mais on n'est pas jaloux, là. Elle est super belle, ta voiture. C'est juste qu'il y a des trucs à arranger. Elle est parfaite. C'est pas ça. Il aime la file mobile. Quand t'ouvres la radio, les essuie-glaces partent. Quand tu pars les essuie-glaces, le chauffage part. Puis quand tu pars le chauffage, ça part les pas. Non, oui, mais c'est facile à comprendre, là. Quand on veut écouter la radio, on a juste à débarrer pas. Bon. Fais le ralenti, il y a de la construction en avant. Ralenti! J'ai plus de frein! J'ai plus de frein! Ah! Ah! On va mourir! On va mourir! On va mourir! Pas de crier comme ça, c'est toi qui vas mourir en premier! Hé, Phil, on n'a pas le choix, c'est une urgence, là. Il faut faire la technique du voilier! Non, c'est trop humiliant, pas mes bobettes! Phil, c'est une question d'urgence. Ah ouais, go! Non! Dire comme ça, mais tes grosses fesses nous ont sauvé la vie. Sans commentaire. Ah. Imagine si t'avais pas mis de bobettes. Ah. J'ai eu chaud, là. Ah, c'est ça, les bobettes, c'est un peu dégueu. La filo mobile, là. Malade. Qu'est-ce que vous l'avez fait à la pauvre petite? Rien, rien, on n'a rien fait. Pourquoi on a fait de quoi? Hey, Chin Chin, ton nouveau char? Ouais! Puis ça, c'est tout un moteur, hein? Tout un moteur qui va nous amener au bout du monde. 1000 forces. Oh! 1000 forces parce que ici, t'as ton Tough Finger. Avec ton Sparrap, t'es Lifelog. Tough Finger? Ouais. En fait, ça s'apprend à l'air. Ouais. Ça la transforme comme en essence. Ce qui fait qu'on va pouvoir monter toutes les montagnes où ce qu'on veut aller tout le temps. Ce qui est cool, c'est qu'on va voyager ensemble. Puis ouais. Ça, moi, j'aime ça. Si elle est brisée, c'est parce que c'est un citron. Je vous l'avais dit. T'es-tu sûr qu'il manque de l'huile? Ah, oh, ouais, ouais, clairement. J'en mets où? Mais moi, je le dirais un peu partout ici. OK. Là. Là? Là. Oui. Là. 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 One size correct. Ça fait du bien, elle avait soif. Ah oui, t'avais soif. Ah oui, t'avais soif. Oui, oh, oui, t'avais soif, elle avait soif. Tu parles-tu au moteur? Oui. Non, je parle à la voiture. OK, dansez-vous de là! Elle fait encore du bruit? OK. C'est plus le même bruit! On en a vraiment pris soin.
Phil, je sais que c'est pas ça que tu veux entendre, mais tu peux plus mettre d'argent dans ton auto. Écoutez, les amis, là, cette auto-là, là, c'est la mienne. C'est pas moi qui l'ai choisie, c'est elle qui m'a choisi. Je l'aime comme une mère qui aime son enfant. OK, elle n'est pas parfaite. Ben non, elle n'est pas parfaite. Mais qui ici peut dire qu'elle est parfaite, hein? Moi, tu penses? Non, c'est pas je le temps. Je pense que oui. Là, en ce moment, là, ma petite auto-enfant, ben, appelons-le Petit Retard, est malade. Puis la seule personne qui me supporte, c'est Gustave. Si vous étiez mes amis, là, ben, vous feriez pareil. OK. 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 On va sauver la file mobile. Oh, si vous faites ça, là, je vais vous faire des livres, là, n'importe où, tout le temps, toute votre vie! Bon, en tout, on a 50 $. À du G. Ah! Oh! Ah! Votre auto va être prête demain. Ah, merci! À demain, Camille. Non, c'est Phil, mon nom! Phil! F-I-L! Phil! Non, P-H! F-I-L! Phil! Non, il y a pas de R. Ben oui, il y a F, Phil! Ça me dit, Phil, il y a F! Non, mais dans quoi il y a des F? Non, mais mettons, fenêtre, fromage... Ben oui, mais dis à mon nom, c'est pas fromage! Mais oui, mais personne t'a appelé fromage! Qui vient de m'appeler fromage? Mais non, j'ai dit le mot fromage, toi, t'appelles Phil! P-H-I-L-L-L, Phil! Non, il y a pas trois L, P-H-I-L, Phil! On dit pas Phil, on dit Phil! Pourquoi t'as mis des trémas dans mon nom? Mais j'ai jamais mis de tréma, j'ai pas parlé de tréma. Tu viens de dire trois fois le mot tréma. J'ai jamais dit tréma de ma vie. J'ai dit tréma. Mais là, tu viens de dire tréma, mais pour dire que t'avais pas dit tréma, tu l'as dit. Hé, elle a mis tréma. Ça fait deux mois qu'elle dit tréma. Pourquoi tu mets des trémas dans mon nom? Calme-toi, fromage. Mais je suis pas fromage. Mais oui, mais je me suis mélangé. Qui est fromage dans la gang? Ça s'appelle fromage. Mais le fromage.